L'effet dodo ou verdict du dodo est une expression employée pour la première fois par Saul Rosenzweig dans un article consacré à l'évaluation des psychothérapies. C'est dans cet article, qui fit beaucoup de bruit à l'époque, que le scientifique a démontré que toutes les psychothérapies, du moment qu'elles étaient honnêtes, avaient le même effet bénéfique sur les patients, selon des facteurs non pas liés à la technique employée, mais liés à la compétence du psychothérapeute et à la motivation du patient. Pour illustrer ce phénomène, Rosenzweig a utilisé la métaphore du verdict du dodo en référence à un passage d'Alice au Pays des Merveilles où le dodo, animal mythique de Lewis Carroll, organise une course absurde et déclare à l'issue de cette course que tout le monde a gagné et mérite une récompense. Cette affirmation doit être cependant modérée car le bénéfice d'une psychothérapie dépend aussi de la compétence du psychothérapeute dans la technique utilisée. Enfin, pour être complet, il faut savoir que dans le rapport INSERM de 2004 qui évaluait l'efficacité des psychothérapies, les thérapies cognitivo-comportementalistes semblent avoir montré une efficacité supérieure dans certaines indications.